De retour pour ce Kuro Festival avec de nouveaux invités et pas n'importe lesquels parce qu'on va parler en plus de nostalgie avec Bioman, Transformers et plein d'autres licences de nostalgie Kurokawa. Là on est avec des spécialistes, là vous êtes prêts et même pour ceux qui ne connaissent pas vous pouvez rester parce on va parler de Transformers normalement, même les nouvelles générations connaissent, normalement moi aussi, ne me jugez pas trop. Donc on accueille aujourd'hui du coup Sébastien Abdelhamid qui sort. Eh bien bonjour, bonsoir. Bonsoir, ça va? Content. Oui, ça va et toi? Tu sors de Click TV, tout ça, notre Sébastien Abdelhamid national. Je sors de la froideur parisienne. Voilà. C'est vrai qu'il fait super. Ça caille, hein. T'as gardé le blouson. Ouais. Comme vous pouvez le voir, je suis la seule qui. Mais j'ai mal. Je suis très content, ça va vite se réchauffer ici, j'en suis sûr. Oui. Voilà. Greg, toujours là. Moi, j'ai pas bougé. Je suis allé chercher un bubble tea et je suis revenu. Oui, on a des bubble tea. Oui, avec Momenti, notre partenaire. Partenaire Momenti, exactement. Et on a Archeo Toys qui est là avec nous. Merci beaucoup pour ta présence. Mais merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Pour parler d'un sujet qui vous parle beaucoup, j'imagine. Effectivement, ça devrait parler vieillerie en plastique. Oh là là. Entre autres, oui, je pense. Pas qu'en plastique. En lycra aussi. Ah on commence les blagues de boomer. Voilà. Ça y est, on a que vous allez m'apprendre des choses aujourd'hui. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que là, tous les sujets qu'on va évoquer, ça ne parle pas forcément aux plus jeunes. Oui. Mais en vrai, on va s'apercevoir rapidement que finalement, si, ça parle quand même à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce que ça a influencé la culture d'aujourd'hui, finalement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des racines, il y a des bases derrière ce que vous voyez aujourd'hui. Et justement, Bioman, tout ça, vous avez sûrement connu Power Rangers, ce n'était pas les premiers. Bioman, c'était la base. Et puis, il y a eu le film Power Rangers, le dernier film, il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près. Ouais, 2017, c'est ça. Donc, pour 7 ans, 2017. Déjà. Oh, punaise. Pour avoir un petit peu ce renouveau. Donc, on est sur. Et puis, on a Transformers. Oui. Je ne sais pas par quoi on va commencer, mais Transformers, on a une licence qui vit, qui continue de vivre et qui engrange pas mal d'argent au cinéma. Et oui, ça, c'est clair. Ça fait plus de 15 ans que ça a commencé. Bien sûr. Ça fait un bon petit moment. Il y en a combien? 6, 7, je crois. Hein. Alors, attends. Il y a les 5 de Michael Bay. Et il y a Bumblebee. Donc ça fait 6. Ouais, c'est ça. Plus de toute façon, on parlera de Transformers après. On va commencer avec Bioman. Parce que ça reste la base. Et il y a quand même un truc qu'il faut dire sur Bioman, c'est qu'on a un homme qui a dédié quasiment toute sa vie à Bioman, Greg. Et c'est un homme dévoué. De différentes manières, hein, pour les plus jeunes. Hein, je on pense notamment à France 5. Hein, oui, voilà. Donc c'est plus qu'un expert. C'est une référence. Mais il aura plein d'anecdotes à nous raconter. Parce que déjà sur Pokémon, tu as raconté des super anecdotes. Lui, il a connu Pokémon au Japon déjà. Greg, c'est pas n'importe qui. Mais il a connu beaucoup de choses au Japon. Hein. Ouais. C'est gentil monsieur. Merci, merci. Voilà. Du coup, on rappelle que Bioman, c'est l'univers des Sentai. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi les Sentai Archeo Toys, par exemple? Alors, on va parler peut-être Super Sentai tout super à fait. Alors, Sentai. Super Sentai, du lycra, des casques, des couleurs. Ça et puis souvent, 5 jeunes. Souvent, surtout des garçons, mais on rajoute quand même quelques filles pour... Une ou deux, histoire d'eux, voilà. En rose, une en rose, une en jaune. Ou en jaune, voilà, généralement. C'est le classique. Ça dépend des années, comme on peut faire. Et puis, surtout, les gens savent peu, mais à la base, ce concept-là, c'est un concept qui vient presque des États-Unis. Puisque c'est la toute première série Super Sentai, c'est une série qui est en collaboration avec un certain Stan Lee. Le fameux. Eh oui, Marvel. Le père de Marvel, le père d'une grande partie des personnages Marvel, a créé avec les Japonais plusieurs univers, notamment la super série japonaise de Spider-Man. Oh là là. Avec le Leopardon, ce superbe robot géant. On recommande à tout le monde d'aller jeter un œil là-dessus. Sur YouTube, plein de best-of. Ça vaut un coup d'œil. En fait, Soso, tu connais pas Spider-Man si tu l'as jamais vu appeler un robot géant avec sa montre. Non. Et monter dans son robot géant avec sa voiture volante. C'est comme si c'est mon perso préféré de Marvel. C'est vrai. Ah ouais, on va te montrer Spider-Man dans sa voiture volante. C'est un Spider-Verse très différent. Tu penses qu'il est dans le prochain Spider-Man? Il paraît qu'il est dans le Spider-Verse 2. Ce serait incroyable. Mais oui. Ouais, quand il monte. C'est incroyable. Tout est incroyable. Même le générique. Mais oui. Même le générique. Mais bon, au-delà de cet aspect télévisuel de la série, ce qui a surtout changé les choses, c'est l'intervention des marques de jouets qui ont vu là un bon moyen de faire de l'argent et qui vont donc coproduire des programmes de Super Sentai pendant
trois décennies. Hein, c'est toujours quatre, pas fini. Hein. Oui, non, c'est 45 ans, là. 45 ans. Et aujourd'hui encore, tous les ans, on a notre provision de Super Sentai, sachant que Bayouman, c'est le premier à être arrivé jusqu'à chez nous. Mais il me semble que même les Américains ont failli avoir du Super Sentai doublé, monté par Stanley, enfin des choses très étranges. Ça n'a jamais été jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'à ce jour de 1984, où Cacabou, Cacadin, Cacaboudin, Caboucadin, l'émission jeunesse de Canal+ diffuse le premier épisode de Bioman, et là je pense que bah ça a marché puisqu'on est encore là. Ah, on en a encore, on en a pris plein la gueule. Ma mère, quand elle me voyait regarder Power Rangers, elle me dit oh mais moi je regardais Bioman. Aïe, ah, Bioman, ça fait mal là, ce qu'elle est en train de dire, hein, les gars. Ah, ça, ah, mais ça... Après elle était, elle avait de la vingtaine. Hein, oh, ma mère, ah oui, ah d'accord, Bioman. Tu me rassures parce que là j'avais l'impression qu'il y avait un gap tellement important entre vous. Non, non, parce qu'en plus on rappelle que en 87 c'est arrivé dans le Club Dorothée aussi. C'est ça, ouais. D'abord sur Canal et ensuite Dorothée le récupère et le rediffuse. C'est arrivé super vite en France finalement. Oui, 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 l'année à peu près. C'était super pas cher. Ceci explique cela. Et puis le point important, c'est ce que tu disais, c'était les jouets aussi. Moi, en vrai, Bioman, la série, je regardais, mais les jouets. Ouais, oh, là, là, j'en ai eu un, moi. J'ai le Bioman noir. C'est le seul que j'avais. Je l'ai acheté au Mammouth de Mont-Saint-Aignan dans le 76. Waouh! Ouais. Avec le pistolet. Qui non, mais vraiment, je me souviens, c'est pour te dire à quel point c'était impactant pour nous à l'époque. Je me souviens, le jour où on est parti l'acheter avec ma mère, où je me souviens sortir du magasin, le récupérer à la caisse, le pistolet que tu mets là, et j'avais grave peur de le perdre. C'était les bonhommes avec le torse en métal, exactement. Le torse un peu épais, là, et exactement. Les bras. Ah, ils étaient balèzes. Mais ouais, non, donc c'est vrai qu'il y avait toute une stratégie autour qui avait été déjà initiée au préalable par de superbes sociétés de jouets. Hein, mais ils avaient capté le buy business, en fait, déjà derrière. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est carrément les fabricants de jouets qui sponsorisent c'est-à-dire que les séries. C'est Bandai, en fait. Bandai, chaque année, qui dit à Toei, qui est donc le studio qui produit Sentai, dit bon, voilà, on a pensé à un concept de jouet, le robot ressemble à ça. Et Toei autour fait une série, quoi, presque. Ouais, en même temps, ça a super bien marché, j'ai envie de dire, pour que ça arrive même chez nous très rapidement. Et ça a marqué plein de générations, parce que du coup, ça a donné en Outre-Atlantique, aux États-Unis, du coup, le Power Rangers. Puis après, on a eu Transformers, qui, je crois, en plus, a une base japonaise de base, avant d'être aussi, des films américains. J'ai bien bossé. Et puis, il y a quand même une particularité sur Power Rangers et sur bien d'autres séries, c'est que. En fait, il y a eu des redoublages de c'est complètement hallucinant aujourd'hui quand on se dit ça que il y a des scènes qui ont été enlevées, rajoutées pour mettre des acteurs occidentaux à la place des acteurs japonais parce qu'on pensait que ça ne marcherait jamais avec des acteurs japonais. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui on te parle beaucoup de l'importance de la représentation des gens. Là, tu vois, il y a les Eternals de Marvel qui sortent. Regardez, c'est génial. Il y a un asiatique, il y a un noir, il y a un sourd, il y a un machin. Voilà. Mais à l'époque, personne ne se posait ces questions. On avait des séries télé avec que des asiatiques à la télé. C'était. Sauf les Américains. Eux, ils disent ah ben non, il y a des gens qui risquent de se vexer. Voilà. Il faut qu'il y en ait un de chaque. Tu vois, tac. Patriotisme américain, tu sais. Ah non, mais pour moi, quand je regardais Bioman ou XOR, ils n'étaient pas asiatiques ou quoi. C'était juste des mecs que j'avais envie d'être comme eux, d'avoir une montre et de me transformer. Quoi. Exactement. Il n'y avait pas ces considérations, en fait. Non, c'est très américain, finalement. Ouais. Nous, on était des enfants, on voyait, on kiffait, on n'en avait rien à cirer d'où ça venait, les costumes, en vrai. C'est important, les costumes. Ah, les costumes. Bernard Minet avec son costume. Ah là là. Incroyable. Bernard. Bernard, si tu nous regardes, on t'embrasse évidemment. J'ai vu d'ailleurs à Convention de Strasbourg, je l'ai vu, ça faisait très bizarre de voir Bernard Minet. C'est mon ami Bernard. Tu l'as fait un hug ou pas Tu l'as fait un hug ou pas Non, on a fait un check. Ah oui, c'est vrai que le Covid. Covid oblige. C'est important. Non, mais pour dire à quel point c'était populaire et c'était déjà marquant, c'est qu'on a eu. À l'époque, il y avait des comics qui s'appelaient Les Inconnus, qui étaient extrêmement populaires et qui avaient un show. Qui avait un show hebdomadaire, je crois, à la télévision. Et il y a eu une fameuse parodie de Bioman. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais en vrai, de vrai, si on se parle sincèrement,
elle est vraiment bien faite. Elle est super bien faite. Les décors et tout. Mais oui, là même, hein. Ils ont capté vraiment le délire. Complètement. C'est ça qui est hallucinant, c'est que pour des gens qui n'y connaissent rien, ils ont vraiment étudié le truc. Ils ont filmé comme les Sentai, avec des zooms de ouf, des cuts hyper secs, les pauses. Ils refont les poses. Oui. Ils ont même trouvé une carrière, parce qu'ils se battaient toujours dans des carrières. Oui, le décor, je le trouve incroyable. Vraiment. Et puis. Faut dire ce qui est, c'est ça a nourri aussi un bif entre les Inconnus et Bernard Minet, puisque dedans voilà il y a des trucs pas très sympas envers Dorothée et Bernard Minet. La chanson Salut bande de tarés. Hein, voilà. Mais en tout cas sur le sketch en lui-même et tout, je trouve qu'ils avaient vraiment capté l'essence. Et c'est pour dire à quel point déjà à l'époque c'était rentré dans une certaine culture populaire et à tel point qu'on en faisait un sketch dans les Inconnus. Parce que les Inconnus pastichaient ce qui marchait. Ouais. Oui. Pastichaient à la télé, mais c'est pas les seuls. J'ai retrouvé une parodie de Patrick Sébastien qui s'appelle C'est génial. Oui, il chante le générique de Bioman. C'est le générique de Bioman. Bien sûr. À la place de Bioman, c'est Mitran. Mais il avait sorti en disque, il me semble, d'ailleurs. Il existe en disque. Oui, il dit Mitran est de retour. Mais vraiment, si vous avez le clip, envoyez-le nous, quelque part. Moi, je suis prêt à payer pour le voir, s'il existe. Moi, je me souviens bien du son, du disque et tout. Et ça peut paraître fou, mais c'était un succès. Hein. On parle quand même dans des époques où les plus grands succès, c'était la Zoubida. Donc voilà. C'est un peu grotesque. Voilà. En même temps. Non, mais tu sais que ça gueulait vachement. Hein. Ça gueulait vachement parce que c'était les années justement où Canal+ avait inventé le top 50. Eh oui. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, les classements, les meilleures ventes. Enfin, il y a même des chaînes musicales. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que. À la télé, la musique, tu n'avais que des artistes qui étaient invités. Et justement, Canal+ révolutionne le game en disant bah nous, on va faire un top et on ne va passer que les gens qui se sont le plus vendus en France, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont été victimes de ça. C'est qu'au début, évidemment, Madonna, Michael Jackson, Jeanne Masse, tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est très, très respectable. Mais quand Bernard Minet sort son 45 tours de Bioman, il est numéro 1 pendant 6 à 8 semaines. Et donc, toutes les semaines, t'as Marc Toesca, le présentateur de Top 50, qui est obligé, parce que c'est la règle, tu vois, le numéro 1, il passe en entier. Et donc, toutes les semaines, il est obligé de passer Bioman en entier. C'est incroyable. Donc, Bernard Minet, il a fumé Madonna, Michael Jackson, Lionel Richie, Johnny Hallyday, personne ne lui a résisté. Ouais. Donc, mettez du respect sur Bernard Minet. Ouais. On peut rappeler que Dorothée a toujours le record du nombre de Bercy remplis, 18 Bercy d'affilée. On est vraiment une époque qui c'est quasiment totalitaire dans cette histoire. Et puis on est une époque, non mais vraiment, on est une époque avant Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévente en ligne, il n'y a pas que de la télé. Et puis c'est, tu vas, t'achètes ton billet, tu regardes à la télé, tu regardes en concert. Il y a une difficulté. Il n'y a pas de rediff, donc, tu fallais pas louper. Non. C'était une culture, je pense, de la passion à l'époque aussi. Bah, on avait aussi 5 chaînes pour la plupart. Ouais. Donc il y avait moins de choses à passer dans le robinet. Oui. Mais je pense que on l'a peut-être oublié aussi, mais Bioman a été aussi très attaqué. C'est ça aussi qui l'a rendu un peu légendaire, parce que c'était le truc dont Tonton se moquait à Noël en disant marron derrière, l'autre devant. Et puis à côté de ça, il y avait de vraies attaques. Je pense alors il y a forcément le livre de Ségolène Royal qui nomme les Bioman à 18 reprises, ce qui est pas mal. C'est d'ailleurs un peu raciste aussi, même. Bah, un tantinet raciste, mais c'est surtout issu d'un article de Le Point à l'époque sur les scènes de violence à la télévision. Et effectivement, je pense qu'on n'était tout simplement pas habitués, nous, étant enfants, et nos parents encore moins. On parle de gens qui avaient regardé Thierry la Fronde et qui se retrouvaient avec des robots géants de 35 mètres qui détruisent des villes. Après, avec le recul, quand on voit ce qui se passe maintenant. Franchement, niveau violence, Bioman, c'est sympa. Oui, et puis même sans aller jusqu'à maintenant, mon axe de défense, c'est quand on me disait, mais pourquoi tu regardes Bioman, c'est violent. Vous voulez que je regarde des westerns. Enfin, c'est Rambo, mais même. Mais vu que c'est américain, ça passe. Ouais, mais tu vois, pareil. On disait les enfants. En fait, les enfants, tu les foutais devant des westerns à l'époque. Mais oui. Regardez les méchants indiens. Pan, voilà. Violent, raciste. Voilà, je trouve ça plus violent que Bioman. Enfin, en plus du côté des enfants. Bah ouais, c'est ça. Non mais Bioman, c'est fantastique. C'est des robots géants, c'est des monstres avec des têtes de cochon et des tentacules. Voilà. Oui, c'est. Tu sais que ça n'existe pas. Et puis c'est des mecs qui font des arts martiaux, c'est classe. Là, t'as des cowboys. Arts martiaux. Voilà. Alors que les salto arrière. Bah non, mais les mecs sont martialement super balèzes. Là où t'as John Wayne qui arrive,
Alors, petite plume, tu sais que c'est pas chez toi ici. Ah, machin, pampan. Mais tu n'es pas mes enfants. Voilà, j'en ai rien à foutre. La gouvernante là, qui va couper le maïs, la grosse mama qui est là. Oh là là, bah, dis donc, monsieur, là, avec le bon accent, bien raciste et tout. Ouais. Non, mais regarde ça plutôt que de regarder Bioman. Bah non, en fait. Puis surtout, encore une fois, on était. Enfin, on est la preuve vivante, je pense que ça, contrairement à tout ce qu'on a pu dire à l'époque, ça nous a pas rendu cinglés, ça nous a pas rendu violents. En tout cas, pas nous. Pas nous. Nous, ça va. Mais non. Il y avait même des bonnes valeurs, en fait. Dans les animés ou même dans les séries japonaises qui sont arrivées en France, il y avait quand même des bonnes valeurs, au-delà du fait, bah, je pense que ça a été diabolisé par Ségolène Royal, par tout ce côté français. Du coup, la disparition du Club Dorothée après, ça a été complètement diabolisé, à mon sens. Et après, bon, actuellement, on vit une période où ils sont obligés de comprendre que la France aime le manga, les Français aiment le manga. Ça y est, c'est fini, on a gagné. Puis pour moi, c'est un peu hypocrite, comme je te dis. Il y avait Rambo à la télé, ça ne dérangeait personne. Il y avait Indiana Jones, c'était pareil, alors que Bioman, en soi, c'est des extraterrestres, il y avait quand même des valeurs, c'était une équipe. Mais parce que c'était à destination des enfants aussi, tu vois. À l'époque, le dessin animé et la série pour enfants, elle ne doit pas être dans ce cadre-là. Ouais. Elle est dans une norme qui est, on va dire, limite, parfois un peu débile. Ouais, c'est-à-dire oui, oui. On prend les enfants pour des idiots. C'est abétissant. Et on n'a pas ce schéma qui est évolutif où on a différents programmes pour différents âges. Non, c'est les enfants, bah, c'est des dessins animés. Oui. Vous allez regarder, ça va être Tom et Jerry, la linéa. Ouais. Juste après, on met Ken le survivant. Ben ouais. Et puis après, on met les bisounours. L'enchaînement est incroyable. Ça contrebalance. Tu vois, donc non, y a, c'est une période vraiment... limite, c'est du grand n'importe quoi, vraiment. Ah bon, c'est vrai qu'il y avait quelques survivants. Il faut qu'il était censuré à mort, hein, quand même, parce que bon. Oui, mais quand même. On a eu Très Cher Frère aussi pendant quelques épisodes. Oui, ça parle de suicide. On a eu des trucs qui étaient. On a eu le fameux. Le fameux nazi qui devenait gentil Muscleman. Dans Muscleman. Bien sûr. Il y a eu quand même des choix industriels. Il y a des modifications. Albator, au début, il avait un symbole pas allié sur son avion. Il y a un spin-off de Albator, justement. Bah oui, parce que son ancêtre, il était du côté des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les années 2000. On est plus. Albator ? Non, Albator 80. Oui, mais à l'Albator 84, quand il y a les flashbacks où il est chez les Allemands, oui, là. Pour moi, c'était l'OAV. Oui, oui. Non, je parle du vieux truc qui a été modifié, justement. Effectivement. Mais ça ne le montrait pas en tant que gentil. C'était déjà. Oui, mais c'est des choses qu'on ne montrait pas aux enfants. Non, surprenant, c'est qu'on a eu les jouets Bioman 2 ans avant d'avoir la série, en fait. C'est vrai, ils sont arrivés avant. Et on a eu les jouets Bioman sous la gamme Robo Machine. Mais oui, voilà. Mais oui, oh là là, c'est top. Il y a eu 2 versions de ce superbe robot géant qui se transforme en avion. Et il y avait aussi la fameuse base Biodragon qui était incroyable. Mais qui était vendue en tant que porte-avions pour les gobos, d'ailleurs. Oui, pour le défi des gobots, Et en fait, ils ont essayé de vendre ces robots coûte que coûte, puisque c'est eux qui avaient inventé plus ou moins le concept de Transformers, mais ils l'avaient ensuite vendu aux Américains. Et c'est là où c'est intéressant, où il y a complètement le lien avec Transformers, justement, parce que c'est limite la même histoire au niveau des jouets. Vous savez qu'avant de passer à Transformers, vous savez que le chat réclame qu'on chante le générique de Bioman. Ah oui, facile. Le chat veut faire sauter Twitch. tout simplement. Il n'y aura pas de droit. Parce que c'est juste qu'on chante mal. C'est surtout ça. Ah non, mais le générique de Bioman, même moi je le connais alors que Mais chante-le, le chat te demande. Ah non, ils ont de chanter. Déjà, bonjour. Bonjour le chat. On les a pas salués. On n'a pas dit bonjour aux gens. Désolé, bonjour les amis. Mais bon, on peut dire. On va vous le dire en chantant du coup. Bonjour. Vas-y. Moitié homme, moitié robot. Demandé, hein. Le plus grand de tous les héros, Bioman. C'est une nouvelle version. L'univers. C'est la version clipez-moi corse. Clipez-moi ça sur Twitch. Clipez-moi ça sur Twitch, s'il vous plaît. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est Patrick Fiori, c'est incroyable ce qu'il vient de se foutre. Donc maintenant, on a encore plus de respect pour Bernard Minet, tu vois. Oui. Celui, il poussait la note. Regardez, mais j'espère, je peux lui envoyer un message, il n'y a pas de souci. Hein. Let's go. Mais si vous avez l'occasion. Ah, Bernard, c'est la famille. Ah, bien sûr. Le check aussi, ça fait des hugs. Ah, bah oui. Ah, attends. Ah, oui.
Ça se galoche. Non, bah, non. Ah, non. Vraiment, regardez les vieux concerts de Bernard Minet sur YouTube. C'est des moments exceptionnels. Non, mais les gens sont en transe. Ah, mais vraiment. Ah, il oui, y a des scénographies. Il y a une version des Chevaliers du Zodiaque où Dorothée apparaît en armure dans un espèce de truc de laser. Et t'as des danseurs autour en chevaliers du Capricorne. Enfin, c'est un truc. Rendez-nous cette époque. Non, Madonna, on s'en fout des Energy Music Awards, nous. C'était, c'était Dorothée, la reine du cosplay, en vrai. Hein. On veut les AB Music Awards. Ah, ça serait génial. Mais viens, on monte ça. Allez, ouais, ça serait incroyable. Et bah, du coup, c'est toujours les mêmes qui gagnent, en fait. C'est vrai que Dorothée, elle faisait aussi des prix de la musique. Tu sais, il y avait des. Chaque année, elle faisait les prix, les Dorothée Awards. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Dorothée Awards, incroyable. Et du coup, c'était toujours des artistes AB qui gagnaient, dis donc. C'est bizarre. Mais il y avait toujours un artiste américain qui faisait venir et qui faisait un morceau de ouf avec elle. Non, mais attention, pendant longtemps, le plateau de Dorothée, ça a été un lieu incontournable pour tous les artistes, notamment internationaux, pour faire la promo. Et évidemment, il glissait des artistes AB qui n'avaient rien à voir. Donc, tu avais parfois. Mais t'as eu Red Charles. Oui, elle a fait un buff avec Red Charles. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Entre autres, il y a eu des artistes. Elle était trop forte. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu Madonna d'ailleurs? Alors, Madonna, je suis pas sûr. Elles auraient fait une battle de costumes, tu sais. Non, elle a eu Red Charles. Je sais que c'est elle qui a lancé les. Comment elle s'appelle là? Tu sais, les. Les Forbans? Non, pas les Forbans. Les 3T. Non plus. Les 3T sont allés chez elle, t'as raison. Oui, les 3T sont allés. Boyz II Men? Non, tu sais, les trois nanas, là, les. Spice Girls? Non, les meufs, là. Qui c'est, Monsieur Bobo? Zouk Machine! C'est elle qui les a lancés. Et attention, elle, parce que n'importe quoi, là. Zouk Machine, c'était ultra tube à l'époque. Et c'était du hit. Parce que c'est ça qui était bien, c'est que Dorothée, elle coupait le gâteau, quoi. Elle lançait des petits jeunes. À l'époque, des gens qui avaient. Elle faisait découvrir des talents. C'était. Mais pour quelqu'un qui voulait pas faire de chansons à la base, elle a quand même fait un paquet d'albums. Ouais. Sans le vouloir. Mais du coup, on va passer aux Transformers. Bien sûr. Je suis. Transformers. J'en ai ramené un, regarde. Hop, voilà. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a ce superbe bouquin. C'est un cadeau de Björn. Alors, je suis pas payé pour le dire, hein, mais la Bible officielle. Vraiment, c'est un bouquin incroyable, bravo encore Greg. Merci, il y a deux ans de travail absolument hallucinant. On s'en parlait hors antenne, mais je te l'ai dit dans le privé, même bien avant. Je trouve que ce bouquin, même si vous connaissez pas, même si vous aimez pas particulièrement l'univers de prime abord, vous pouvez découvrir, mais surtout apprendre tellement de choses dedans. C'est incroyable. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Ah bah, disponible chez Kuropop et c'est bientôt Noël. Ouais. Surtout ce qui est pop culture japonaise, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un bouquin qui a demandé énormément de travail parce que Bioman, ça a plus de 35 ans. Et les Japonais, ils ont beaucoup de qualité, mais c'est un truc. Que j'ai connu, c'est celui-ci. C'est le bleu. Ouais. Non, c'est. C'est Bioman. Ouais. D'ailleurs, c'était lequel votre Bioman préféré? Moi le préféré. Moi c'était rouge et noir. Moi c'était le bleu parce que c'est lui qui faisait les meilleures cascades. Sébastien, moi le bleu ouais. Mais toi le noir c'était Maskman alors. Ouais. Alors moi, je me rappelle bien du casque comme ça, magnifique. Moi aussi c'était Maskman, mais moi on m'avait offert le Maskman rose. Mesquine. Qui portait des boucles d'oreilles par-dessus son casque. Et depuis, j'ai une forme de passion pour ce personnage qui porte des boucles d'oreilles par-dessus son casque. Parce qu'on va pas se mentir, c'était très genré à l'époque. Le rose, c'était pour les filles. Donc, si t'avais Bioman rose, bizarre. Tu devais te faire vanner un peu. J'avais un cousin qui avait toujours les héros, et puis moi, on me filait les sidekicks ou les méchants. Là, j'avais eu le droit au rose. C'est des choses qui arrivent. J'ai plutôt bien vieilli. Ça se passe bien, t'as la bedard. Bien sûr. Liveman, je kiffais en fait. Le truc avec les animaux et tout, c'était incroyable. Il était super dynamique, Liveman aussi. Ouais. Tout ça pour dire que c'est un bouquin qui m'a demandé beaucoup de travail parce que, donc je disais, les Japonais ont beaucoup de qualité, mais il y en a une qu'ils n'ont pas, c'est la conservation. C'est-à-dire qu'ils ont fini un animé, ils ont dit, hop, les archives, elles sont perdues, on sait pas trop et tout. Ouais. Il y en a tellement. J'avoue qu'ils en font à l'appel. Donc. Et puis surtout, ils s'arrêtent pas. C'est-à-dire que le dernier épisode de ça sort, la semaine suivante, t'enchaînes sur la nouvelle série. T'as pas le temps de ranger, de stocker. J'ai un peu fait mes recherches au niveau Bioman, j'ai vu qu'il y en avait plein. Ouais, tous les ans, il y a une nouvelle série. Après, il y en avait qui duraient un an, vu que ça floppait ou quoi que ce soit. Mais il y avait plein de choses. Et du coup, c'est là aussi que j'ai découvert que Transformers, c'était japonais à la base avant que ça arrive. Bien sûr. Exactement. En fait, tout vient du Japon. C'est incroyable. C'est eux les précurseurs. Moi, le bouquin m'a retourné. Je me le suis pris à sa sortie là, cet été. Merci beaucoup. Je pense que c'est, à mon sens,
un des plus beaux bouquins d'histoire de la culture pop. C'est pas juste. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le franchement, Greg, avec tout l'amour que j'ai pour toi, c'est pas facile de m'apprendre des trucs. Parce que j'aime pousser mes recherches au maximum et c'est un des rares bouquins où je me suis waouh. Il a été plus loin que tout ce que j'aurais pu faire. Vraiment. Oui, parce que t'as jamais fait de vidéo sur Bioman. Mais parce que c'est trop compliqué. J'ai quelques infos qui sont très cool, mais je parle pas japonais. Ça demande un travail de recherche qui est quand même hallucinant. Là, aujourd'hui, je vais pouvoir faire une super vidéo. Et j'ai toutes les infos dans le bouquin. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu dis. Je conseille à tout le monde d'aller voir ta chaîne, Archeo Toys, qui est vraiment incroyable. Plein d'informations, plein de vidéos super ludiques. Plein de petits animaux comme ça. Voilà. on peut faire maintenant le lien avec. On veut beaucoup parler. On peut faire le lien avec Transformers. Mais du coup, Transformers, c'est un peu un mix entre les kaiju et les mechas, en fait. Ah oui, lui, c'est un dinobo, mais les Transformers, ils se transforment en tout, en fait. Hein. Même des pistolets. Ouais. Tu nous donnes les origines? Alors, à la base, on considère que le premier vrai jouet transformable, c'est Daltanius. Donc, on retourne dans Battle Fever G, dont on parlait tout à l'heure, la série lancée par Stan Lee dans les années 70 avec la Toei. La grosse différence, c'est que ils vont avoir des problèmes d'argent. En fait, chez Bandai, au début des années 80, Bandai veut rentrer en bourse, mais ils n'ont pas vraiment les moyens, donc ils vont avaler toutes leurs sociétés sœurs, notamment la célèbre société Poppy, qui produisait les jouets Goldorak. Ton papa le sait. Toi non, mais ton papa le sait. Ah ouais. Et donc, ils avalent tous leurs partenaires. En avalant leurs partenaires, ils ravalent le studio qui fabriquait les Bioman, le fameux studio PEX dont on parlait tout à l'heure. Et la marque Kenner, qui est une marque américaine, se dit « Chouette, on va acheter des moules et puis on va faire un truc, on va faire un panachage. » L'idée étant de mélanger des robots qui n'ont rien à voir entre eux, mais les Américains le savent pas puisqu'il n'y a pas de série dérivée. Pour la petite histoire, avant même l'arrivée des Transformers en 84, ils arrivent chez nous via le baron de Rothschild sous le nom des Diaclones. Ah, ça va durer un an. Mais oui, c'est vrai que c'est lui qui a ramené ça. Ouais, et tout à fait, donc truc de fou. Hein, Rothschild. Le baron de Rothschild. Ouais. Toi, on a commencé sur Bioman, on enchaîne sur les Transformers, on passe par le baron de Rothschild. Et Geneviève de Fontenay est en fait un Transformers. Elle se transforme en cuillère en argent. Geneviève, si tu nous regardes, bien c'est sûr. C'est pour ça qu'elle est encore. Incroyable. C'est des histoires d'accord entre sociétés qui sont un peu compliquées, mais en gros, on arrive avec cette société Kenner, qui était ceux qui avaient vendu les jouets Star Wars dans les années 70. Okay. Les boîtes de jouets. Ils font un peu d'argent. Les boîtes de jouets, même, sans les jouets. Le problème, c'est que Kenner, ils n'ont plus George Lucas. Il vient d'arrêter ses films, donc il faut absolument pouvoir lutter contre un nouveau héros qui vient d'apparaître chez leur concurrent, qui s'appelle Musclor. Et donc, on va lancer ces fameux Transformers. Très vite, on aura un dessin animé, donc on aura des héros. Mais pour la petite histoire, le camion rouge Optimus et puis Bumblebee, la voiture jaune à la base, c'est une série différente. Ça vient pas de Transformers. Il y a même, par exemple, certains jouets qui vont sans autorisation être repris, notamment la fameuse Valkyrie de Macross, qui se retrouve en Transformers, sans qu'on comprenne trop pourquoi. On parlait du Far West tout à l'heure, excuse-moi, mais là, en termes de droit, c'est complètement Far West. Hein. C'est la roue libre totale. Ah, c'était roue arrière direct. Dans les bureaux. T'en fais rien de ce robot. J'en fais 30 millions. Hop, celui-là, il est à moi. Celui-là, il est à moi. Et aujourd'hui, par contre, impossible à faire. Aujourd'hui, il te monte en l'air en une fraction de seconde. Tu bouges une oreille, c'est genre. Ah non, c'est pas possible. Ils ont peut-être des raisons de se méfier. Ils ont eu des. Justement, ils se sont bien fait avoir, hein, mais quand même. Et donc, du coup, on a eu cette superbe grosse session robotique dans les années 80 avec les Transformers, mais également avec les Gobots, qui est un peu moins cher. Qui écrit l'histoire des Transformers? C'est ça aussi. Qui les crée? Bah oui, c'est les Marvel. C'est du coup c'est Marvel qui va s'en charger, avec aussi pas mal de scénaristes pour le dessin animé qui travailleront sur à peu près tous les dessins animés de votre enfance, les Tortues Ninja, les Ghostbusters, et donc pour certains épisodes de Transformers, vous allez remarquer, si vous avez l'occasion de les revoir, que c'est les mêmes scénarios dans d'autres dessins animés, mais de A à Z. C'est la même histoire. C'est encore pire, c'est que parfois même, tu parlais des Tortues Ninja, en fonction des saisons. T'avais les mêmes histoires. Voilà. Donc c'était incroyable. C'est-à-dire que t'avais le même épisode remixé. Tu disais, mais attends, cette histoire-là, je la connais. Mais ils s'en battaient les reins. C'est pas grave. Et puis il y avait des trucs qui marchaient bien.
le gars qui redevient enfant, le truc ouais, qui... Ouais, bah, oui, voilà. Il y avait plein, il y avait des schémas narratifs et scénaristiques. Fallait que ça enchaîne, si le mec n'avait pas le temps. C'est l'usine un peu. Ils vont rebooter ça dans les années 90, avec de nouveaux jouets. Alors, il va y avoir une petite blague, ils vont sortir un premier film Transformers au cinéma en dessin animé. Ah oui. Le trauma. Vous voyez, le trauma qu'ils ont. Il flingue tout, en fait. C'est la mort. Non, c'est la mort. Sort, et là, vous voyez encore la réaction qu'ils ont 35 ans plus tard. C'était hardcore. Dans le premier tiers, on tue Optimus, le héros. Et mais pas que lui, tous les autres. Non, tous, ils vont tous crever. Il y avait des scénarios qui étaient répétitifs, mais non, là, c'était scénario... Non, mais sur le film, Hasbro, ils disent tous les jouets pour en vendre de nouveau. Mais ouais. Donc ils disent, dans le film des Transformers, en 86, ils disent, on va tuer tous les héros, comme ça les gamins en rachèteront d'autres. Sauf que moi je vais au cinéma, je vois ça, et en fait, quand tu sais, dans le dessin animé que tu vois à la télé toutes les semaines, dépression. Ils se tirent dessus, bam, hop, et puis ils se relèvent. Et là, tu vois, ils crèvent. Ça fait mal. Ils crèvent. Là, tu arrives et fini. La bagarre commence, genre, pfiou. Et là, donc, paf. Et, sauf que là, ça fait un trou, ça fume. Et le robot, il a les yeux qui s'éteignent. Il s'éteint. Il crache de la fumée, il a les yeux qui s'éteignent. Et moi, j'ai 10 ans, je vois ça, je fais... Je comprends, tu sais, mon cœur d'enfant se brise en mille morceaux. Dans le cinéma, on l'entend, les gens entendent crac. Et à toutes les rangées, tous les enfants, crac, crac, crac. Optimus Prime, il meurt, il perd ses couleurs, il devient tout gris. Et oui, et il rouille, quoi. Et ils ont fait ça. Traumatiser les enfants. Ben non, mais le but, c'est juste revendre des camions. Je te dis, voilà, regarde, ton héros, il est mort, faut que tu rachètes le nouveau Sauf héros. Sauf que l'affect, il était trop important. Ah ouais, ben moi, ça m'a fait important. Arrêter les Transformers. Alors, j'étais un fou de ça, j'étais là. J'étais tellement énervé. J'étais on parle de dizaines de milliers de lettres qui vont être envoyées aux fabricants, aux différents cinémas, des parents qui claquent la porte en sortant, c'est une honte. Parce que alors, pour recontextualiser, plusieurs milliers de lettres, c'est comme si tu es entêté sur Twitter pendant plusieurs jours. Voilà. Donc, pour montrer le mécontentement. Exactement. Il y a quand même des gens qui ont envoyé des lettres pour dire pourquoi tu habitais au petit Ouais, bah attends, parce que. Mets-toi la place des parents. Tu ne l'aurais pas fait, toi ? Si, j'aurais fait. Voilà. Mets-toi à la place des parents qui, tous les soirs. Papa. Pourquoi ils ont tué mon Petit Optimus ? Tu peux rien voir. Le film de la Patte Patrouille, dans le premier quart d'heure, il pique le chien. Ouais. Voilà. Tu vois, après, franchement, je suis pas contre le hip-hop. Voilà, t'imagines. Il avait la rage. Moi, je suis pas contre. Hein. Et à la place, on va tous vous remplacer par des chats. Voilà. Pour que vous imaginez le trauma pour les gamins. Acheter des chats. Voilà, maintenant vous allez racheter des chats. C'est la quatre patrouille, ok. Ça a vraiment été un cataclysme qui a un peu abîmé la licence. Ouais. Pendant un moment, oui. Ouais. Pendant un moment. Oui. Et la licence, au final, elle est renée, on va dire ça comme ça, par les comics de chez IDW, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 2008. Et mon cher Greg, tu as eu l'excellente idée d'éditer... Bon, après, là, on a fait un gros passage. Hein. T'as sauté de l'histoire. Vraiment, j'adore Gloire à Megatron. Ouais. Pour moi, c'est une des meilleures publications IDW de la première version des comics. Celle de 2008-2012. Mais c'est la première fois qu'on les a en France, du coup. Mais je n'osais plus avoir l'espoir de les voir un jour sortir. Bah, c'était exactement comme le même esprit de Bioman. C'est que cette année, donc, c'est les 35 ans des Transformers. Et je voulais leur rendre hommage. Parce que ça reste des personnages, même s'ils ont été américanisés, ça reste des personnages japonais. Et le problème, c'est qu'au Japon, par contre, les Transformers, ils existent au Japon, mais ils sont pas du tout perçus comme nous, on les perçoit. Et nous, ce qu'on aime vraiment, les Américains et les Français, c'est la G1, la première génération. Alors qu'au Japon, c'est pas du tout la G1. Ça va plutôt être la G3, la G4. C'est un peu normal, parce que la G1, en fait, ils ont piqué un petit peu dans tous les trucs. Donc, ils se moquent de nous. Et à partir de la G3, G4, au contraire, c'est des trucs 100% japonais qui sont faits par Takara. Voilà. Et du coup, moi, j'ai cherché. C'est le nationalisme qui est en place. Ouais, puis c'est l'originalité. Ça va vous montrer comment on fait des robots. Hop, ils refont des trucs. Et du coup, moi, je voulais vraiment quelque chose qui rappelle les Transformers de notre enfance. Ouais. Et après avoir vu que finalement les mangas des Transformers, c'était pas ça, je me suis tourné vers les comics en fait. Et donc, il y a ces comics-là qui sont dessinés à la japonaise. C'est-à-dire que c'est des comics. Quelques images, peut-être. Bien sûr, c'est des comics, donc c'est dessiné par des Américains, mais ils reprennent le design. Les méca-designs japonais des années 80. Mais là, donc, tu me donnes envie d'en faire un dans la légende, là. Ah, merci. Merci, ça me ferait plaisir. Vendredi ?
Eh ben vendredi. Là, là, écoute. Vendredi, semaine prochaine. Dans la légende Transformers. Bah, bien, ouais. Écoute, voilà, c'est comme ça que ce. Vendredi. C'est... Bah, vous, écoute, vous allez. Vous vendredi. Allez, vendredi, on tourne dans la légende Transformers. Très bien. Voilà. Ah, c'est vendredi. Vendredi. Ah ouais. Vous prendrez un RDV pour la légende. Vendredi prochain. J'en profite juste deux petites secondes. Vous savez très bien que on a un Kuro Game. On a un petit. Oui, oui. Des petites choses à vous faire gagner, petites. Ça dépend de votre taille. Si vous aviez, si vous avez suivi depuis hier qu'il y avait un Kuro Game où on vous fait gagner votre taille en manga, et là du coup le concours se lance, donc il faut que vous mettiez en fait dans le chat quel manga vous aimeriez avoir, tout simplement quelle licence Kurokawa vous adorez, qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir de chez Kurokawa. Moi je mesure 3m30, ça va, hein, c'est gérable. Et moi non, ça m'arrangerait si c'était le poids. Ouais, je suis un peu grand, là je suis très recroquevillé. Tu vas te grandir du coup. Exactement. Mais Arkeo il veut son poids en manga, c'est pas marrant. Je vais mettre 70, quoi, c'est pas... C'est le poids. Alors je sais pas si la régie entend, mais le poids en manga ça peut être une bonne idée pour la prochaine fois. Je pense que ça va coûter plus cher. Je sais pas, parce que la taille au manga c'est conséquent quand même. Ah, parce que c'est lourd un manga aussi. Hein. Ouais, ouais. Oui. Je viens de déménager, je viens de voir ce que c'était. Que il faudrait qu'on fasse des comparatifs. Donc le Kuro Game commence maintenant, donc n'hésitez pas à marquer. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch. Et je le rappelle, pour contacter les gagnants, il faut surveiller votre chaîne Twitch. Il y a la petite partie chuchotement, donc les messages. Et du coup, apparemment, pour les anciens gagnants des autres Kuro Live, bah, ça a mis une semaine à répondre. Donc n'hésitez pas à checker vos messages Twitch, c'est hyper important. Comme ça, bah, vous recevez vos mangas rapidement, et on peut vous contacter. C'est arrivé, il y en a qui gagnent et qui répondent pas, donc on était obligé de remettre les lots. Bah ouais. C'est pas les invités qui partent avec. Ah, non, tu voulais un truc Bah non, je t'offre un bubble tea. Mon poids, voilà. Ah, ton poids en manga. Tiens, j'ai fait 2 ans d'efforts là. J'ai mangé une raclette tous les jours pour gagner mon poids en manga. Donc n'hésitez pas à mettre votre manga préféré dans le chat pour pouvoir jouer, et vous serez contacté de toute façon ce soir normalement, hein, si je ne me trompe pas, parce qu'il y aura aussi un autre concours demain. On vous fait gagner aussi demain, une personne pourra gagner sa taille en manga. C'est assez ouf en vrai. C'est cool. Je vous le dis, hein, trichez pas, hein, on va vous demander des preuves, hein, parce que les gens qui en mettent 60 et qui en fait ils ont mis 1m80, on vous voit, hein, c'est bon. Il s'agirait d'assumer. Donc on vous demandera des preuves, hein, je pense une petite photo du passeport avec la taille, tu sais. Bah oui, c'est toi, ça, c'est le passeport d'il y a 10 ans. 87 cm, quoi. Mais c'est... J'étais enfant, là, j'étais nouveau-né. Du coup, on peut reprendre. Je vous laisse dans le chat mettre votre manga préféré. On reprend du coup sur les Transformers, parce que en plus vous êtes tellement à fond, je vous vois. Ah bah. Il y a la nostalgie qui parle à mort. Ben oui, mais au-delà de la nostalgie, c'est que comme tu le disais, c'est revenu en comics. Et puis après, il y a Hollywood qui s'est emparé aussi du phénomène. Je pense que la plupart des gens connaissent surtout ceux d'Hollywood. En fait, bah, pas la plupart des gens, mais la plupart des jeunes, sûrement. La plupart des jeunes. Voilà. La plupart des jeunes connaissent. Très jeunes. C'est des chiffres de ouf. Hein. Relativement jeunes. Ah, c'est des chiffres de ouf. Bah, bien sûr. Et puis un réalisateur de ouf. Aussi. Non, mais $1 milliard à chaque film, c'est une des franchises qui est les plus rentables, hein, de toute manière. Après, on peut. C'est pas la faute à Megan Fox. Pardon. C'est pas Megan Fox qui a fait. Si, bah, bah, Megan Fox. Pauvre Megan Fox. Ah ouais, non, mais c'est. Enfin, moi, je suis pas allé pour Megan Fox en tout cas. Ouais, moi, j'en ai rien à cirer de Megan Fox. Hein, alors, elle est. Elle était très... Là, non, on a les puristes là. Non, mais entre Optimus Prime, Megan Fox. Voilà. Moi, je choisis la calandre. Moi, tu m'aurais dit Renault Megan Optimus Prime. Encore, ça se discute. Ouais. Megan Fox, rien à cirer. Bah, c'est-à-dire qu'une meuf en short, un robot de 10 mètres qui se transforme en camion, le choix est vite fait, tu vois. C'est... Je m'excuse auprès de toutes les femmes en short de France, mais. Mais no disrespect. Pouvoir voir un robot géant à la télé et à l'écran au cinéma, aujourd'hui c'est évident parce que la pop culture, Pacific Rim, Marvel, tout ça. À l'époque, quand on dit, il y a Spielberg, il a acheté les Transformers, c'était là, tu lèves un sourcil. Spielberg, ah ouais. Et tu dis, et c'est Michael Bay qui va tout faire péter. Là, tu lèves les deux sourcils, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que c'est. Enfin, faut remettre encore une fois le contexte de ça. C'est qu'on est sorti des années 90, on est rentré dans les années 2000. Les Transformers, nous ici, ça ne vit plus, en tout cas par les jouets, par le dessin animé. On est dans de la pure nostalgie, faut le dire. Aux États-Unis, il y a du comics qui ressort. Ça continue à vivre encore de différentes manières, mais pas comme chez nous. Et puis là, c'est comme si tu étais chez tes parents, tu vas dans ta chambre d'enfant. Et tu fouilles dans tes jouets, tu retrouves tes anciens jouets, et tu dis « Waouh !» Et là, tu as tous les souvenirs qui remontent. Bah, quand ils t'annoncent Transformers en film, c'est un peu ce qui arrive. Tu vois, tu te dis « Ah ouais !» Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais
vous avez aimé les films Transformers du coup, ça dépend lesquels. Ça dépend vraiment lesquels. Non, mais c'est sur la lune, c'est avec des Templiers. Non, mais c'est vrai que c'est assez inégal. Enfin, les premiers. Moi, les premiers, j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai adoré le premier, j'ai détesté le deuxième. Donc, tu vois, j'ai une relation très compliquée avec les films des Transformers. Pardon, ouais, j'arrive même pas à savoir quel est le premier, quel est le deuxième. Non, mais c'est ça. Là, j'arrive plus. J'ai adoré le premier, j'ai détesté le deuxième. Le troisième, j'ai bien aimé les scènes d'action, mais le scénario était un peu concon. En fait, je trouve qu'à partir du 2, ça part en couille dans la mesure où ils trahissent complètement l'esprit du dessin animé d'origine, ouais. Où les gentils étaient très nobles, et les méchants étaient très très méchants. Ça a été américanisé. Ouais, Optimus dans le 3. Ah, Optimus, ouais, voilà. Enfin, t'as le Optimus Prime, voilà, c'est un des personnages les plus nobles, les plus valeureux. Il ne tue pas. Voilà, là, il met les mecs au sol, pfiou, voilà, balle dans la nuque et tout. C'est américanisé, Il est carré. Son vieux maître le supplie de pas le tuer, il arrache la colonne vertébrale. Ah ouais, non, Optimus Prime. On veut pas des gentils, nous. C'est ça. Non. Et alors après, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'arrête de faire le lien entre mon enfance et ça. Et ouais, tu prends vraiment un truc à part entière. Et du coup, voilà, le 4, c'était un gloopy boulga, c'est-à-dire que t'attends 2 heures. C'est avec les dinosaures, celui-ci ? Non, le 4, c'est celui qui est problématique, tu sais, avec le mec qui sort avec une mineure, là. Mark Wahlberg, il a une fille de 17 ans. Ça commence à être critique. C'était chelou. En fait, en gros, pendant 2 heures, je me suis un peu embêté. Et les 10 dernières minutes, il y a les dinobos qui arrivent, Picasso, et là, t'as la gaule et tout, t'es super content. Tu t'ennuies un peu pendant le film. Et par contre, le 5, c'est celui où il y a Omar Sy qui joue une Lamborghini noire. Et conduite par Hannibal Lecter. Comment il s'appelle? Anthony Hopkins. C'est Anthony Hopkins qui conduit Omar Sy. Oui. Et qui se fait poursuivre par des avions de chasse. Cette scène, elle est extraordinaire. C'est pas en Chine? Non, ça, c'est le 4. Ah, okay. Non, ils sont en Écosse. Et en fait, Anthony Hopkins, c'est un gardien d'un secret parce qu'il y a des Templiers Transformers. Et il conduit Omar Sy. Omar Sy, c'est une Lamborghini noire. Pourquoi je m'en rappelle pas. Sens que. Il en a plus rien à foutre. Oui, non, mais plus il en a plus rien à foutre. Il est au volant, il est mort de rire, ça pète autour de lui. Il fait OK, après ça, j'arrête ma carrière, je m'en branle. Et c'est une scène, c'est un suicide artistique en direct. C'est parti en cacahuète un petit peu. Ah ouais, non, mais c'est plus des cacahuètes, c'est des pistaches là. Qui sont pas partis en cacahuète. Ben oui. Parce après, on a Bumblebee quand même. Le film était très très bien. Qui a été la belle surprise. Sauf John Cena. Bah, en fait, c'est Stranger Things avec des voitures. Ouais. Mais pour le coup, les cinq premières minutes de Bumblebee qui se passent sur... c'est pour moi le plus grand moment de cinéma des années 2010. J'aurais vu le plus beau clin d'œil, mais écoute, je te suis, Greg. Attends, quand ils arrivent au début, là, qu'ils tirent partout et tout... Bumblebee, c'est ce qu'on attendait depuis 6 films, en fait. Exactement. Voilà, avec le bon design et tout. Voilà. Ah, tu veux parler des Chevaliers du Zodiac? Oui, il faut qu'on avance, et on sait que là, il faut qu'on parle de ça quand même, parce qu'il y a des licences chez Kurokawa, la nostalgie, c'est important. Mais je pense que là, ça va parler à encore plus de monde. Là aussi, on est dans de la nostalgie, pour le coup, de prime abord. Sauf que, franchement, Lost Canvas, c'est pour moi une des meilleures adaptations. Enfin, pas adaptation, suite, on pourrait préquel, dire. Suite préquelle. Parce que vraiment, c'est excellent, tant en manga qu'en animé. Je trouve ça vraiment très, 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 très bon. Pour moi, c'est le... Après ce qu'on a connu d'abord, c'est le meilleur. Je sais pas si. Je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai publié d'ailleurs. Très bonne idée. Mais c'était vraiment inattendu. C'est-à-dire que les Chevaliers du Zodiac, ça continuait à vivre, mais sur de la nostalgie. C'est-à-dire que de temps en temps, t'avais un nouveau film. T'avais Kurumada qui scénarisait un petit manga de temps en temps. Et là, en fait, Lost Canvas, c'est ça. C'est 2007 ou 2008. Ouais. Il décide vraiment, on va relancer les Chevaliers du Zodiac, mais on va les moderniser et on va raconter ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, dans les Chevaliers du Zodiac, en fait, c'est un reboot permanent. Dans la série originale, on n'arrête pas de te dire ah ouais, mais ok, les gars, Seiya et tout, vous en avez chié, mais il y a 200 ans avec Hades, c'était autre chose, quoi. T'es comme un gars qui a fait la guerre 14-18 et qui dit non, le Vietnam, t'as pas dû les trancher, mon petit bonhomme. Et du coup. Le mec qui tape sur l'épaule, moi j'ai connu pire. Voilà, c'est ça. Et donc ils se sont dit, puisqu'on en parle tout le temps de Hades, on va vous montrer comment c'était il y a 200 ans. Et c'est le bordel. Et en fait, c'est la jeunesse du Chevalier de la Balance, quoi. C'est quand il Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et j'insiste encore une fois, tant sur le manga que l'animé. Moi, je me rappelle que l'animé, on le suivait avec Mouloud. Chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode, on se disait, mais t'as vu la dinguerie. Sauf qu'on est laissé en plan dans l'animé. Ah oui, ils n'ont pas fait la saison suivante. Je crois que ça s'arrête avec le cancer, il me semble. Juste après, quand il débarque sur le jeu d'échecs, je me rappelle une scène. Et ça s'arrête là. Ah,
Et il y a quelqu'un qui a pété le record. Il y a du record là. Non, de ce que j'ai entendu, apparemment, il a pas réussi. Il a fait un 99 au lieu de 2006. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu casse-gueule de prendre la suite d'une œuvre aussi mythique. Elle demande à Netflix. C'est un peu intouchable. Dans l'univers manga, Senseiya, c'est un peu le truc intouchable. Et puis on est face à des fans qui sont des puristes. Ça va extrêmement. À juste titre hein, aussi, parce que la licence, elle a été malmenée un petit peu. Donc voilà. C'est pas la pire. Non. Mais c'est vrai que. Moi, Netflix, quand t'as les Chevaliers du Zodiac qui se battent contre des chars d'assaut et des avions. Au Moyen-Orient. Genre, je suis dans une ruelle à New York et je découvre mes pouvoirs dans une poubelle. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Je voulais pas parler de ça, les gars. Je pensais que tu parlais de Zeus, le film qu'on avait eu. Ah, le Tenkai, oui. Oui, au Tenkai, où Seiya est en fauteuil roulant pendant 90 minutes. Il n'y a plus rien qui va. Le respect est parti. Très loin. Mais on avait des OAV quand même qui étaient plutôt pas mal. Hein. La Pomme d'Or. Les films, ils sont avec Shingo Arai. Mais c'est vrai que ces trois licences-là, ces trois licences de cœur, ces trois licences qu'on pensait peut-être avoir fait le tour, en fait. Je t'avoue que quand Lost Canvas est sorti, je m'étais pris une claque parce que je pensais pas qu'on aurait un jour autre chose que du Kurumada avec toute la légende qu'il y a derrière son dessin, le choix des noms, les puristes le savent. Mais là-dessus, Kurokawa fait un travail de dingue et là je ne suis pas payé pour le dire donc je me permets de le dire. Vous avez réussi à raccrocher le wagon de ce que pouvait faire Fleuve Noir dans les années 60 en termes de culture pop avec les vieux romans d'espionnage de mon père, les trucs d'aventure de mon oncle. Bah ça, je suis fier de pouvoir l'offrir à mes neveux. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vraiment Kurokawa, ça veut dire Fleuve Noir. Donc ça dort, vraiment chapeau. À mon sens, là, je connais pas beaucoup d'autres éditeurs qui pourraient se permettre de mettre ça sur la table en disant. Vous avez vu les vieux ? On a pensé à vous. C'est quand même ouf. Là, écoute, je suis vieux, donc je pense à moi aussi, tu vois. Franchement, que ce soit Transformers ou Bioman, je me suis fait plaisir aussi. C'est-à-dire que je savais que ça plairait bien à des gens. Non, mais c'est ça qui est important aussi. C'est ça d'être un éditeur aussi, c'est de sortir les trucs que t'aimes. Bien sûr. Et je pourrais, tu vois, c'est ma fierté. Je peux dire, je peux regarder mon moi de 10 ans. Et je dis, tu vois, quand tu seras grand, tu t'occuperas de Bioman, tu t'occuperas des Transformers et tu t'occuperas des Chevaliers du Zodiac. Et c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Évidemment. Quoi. Et on vit aussi pour ça. Exactement. C'est pour ça qu'on travaille dans nos passions. Tout à fait. Et je vois, Soso, t'as chopé Creamy. Oui, il y a Creamy aussi. Ouais. Là, on part sur le Magical Girl, il y a quoi. Mais tu kiffes Creamy ou pas? Tu l'as regardé ou pas? Quand t'étais petite, non? Bah non. C'était Sakura Card Captor, mais. Ah oui, c'était plus tard. Ouais, c'était un peu plus tard. Mais je t'ai dit, je suis un peu plus jeune, hein, j'ai pas tout connu tout ça. Mais j'adore t'entendre parler des licences comme ça. La fin de Creamy, c'est tellement drôle. La fin de Creamy, je sais pas, mais le mec commence par la fin. C'est grave, c'est le spoil, ça y est. Non, mais Creamy, moi, c'est, je pense, le premier Magical Girl que j'ai connu, en fait. T'avais pas vu Gigi avant? Ah si, Gigi, c'était avant. C'est Gigi avant. Ah, ok, ouais. C'est Gigi d'abord. Donc c'est ton premier Magical Girl, Creamy. Donc, non, c'est Gigi, lui. Non, Gigi. Ah, c'est Gigi? Ouais. Mais en vrai, j'arrive pas à me dire si c'est Creamy ou Gigi. Gigi, ce qui est particulier, c'est que c'est une Magical Girl, mais aujourd'hui, on a plutôt l'habitude justement de Cardcaptor et tout ça, où il y a un peu de bagarre, tu sais, il y a des méchants, comme dans Sailor Moon, où il y a des problèmes à régler. Oui. Creamy, c'était vraiment, elle se transforme pour faire tourner les adultes en bourrique, quoi. C'était cute. C'était une petite fille qui se transformait en chanteuse parce qu'elle rêvait d'être une star. Et du coup, c'est une petite fille qui se transforme en adulte et elle devient numéro 1 du top 50. Donc, c'était. Et puis, forcément. Bernard Minet, quoi. Mais ouais, grave. Et ça devient Bernard Minet. Mais tu sais que là, on a la boucle est bouclée. Et du coup, elle devient une chanteuse. Et évidemment, tous les adultes, ils ont des problèmes d'adultes et ils veulent lui signer des contrats et tout. Alors qu'elle, hop, elle se transforme, elle chante et pouf, elle disparaît dans un nuage. Donc, tous les adultes deviennent fous. Genre, c'est qui cette meuf? Il faut. En gros, elle n'en a rien à foutre, en fait. Et en fait, quand tu penses avec ton esprit d'adulte, elle a foutu une merde pas possible. Et c'est le postulat de base de ce manga, en fait. C'est que, donc, 30 et quelques années plus tard, c'est le manga qui reprend l'histoire du dessin animé, mais du point de vue de la méchante. C'est-à-dire que quand tu regardes le dessin animé pour les petites filles et que t'es une petite fille, tu dis, c'est génial, c'est une petite fille de 10 ans, elle se transforme en chanteuse, elle fout un peu la merde, elle monte sur scène, elle chante, tout le monde l'applaudit, elle disparaît. Mais quand tu te mets du point de vue de la chanteuse, de la méchante chanteuse,
En fait, elle n'est pas méchante pour être méchante. C'est que c'est une meuf toute sa vie. Elle a pris des cours de chant, elle a pris des cours de danse. Et elle arrive. Elle a fait de l'aérobic. Elle en a chié. Tu vois, elle mange trois petits pois par jour pour garder la ligne. Cristiano Ronaldo. Quoi. Et donc la meuf, elle fait vraiment énormément d'efforts. Et du jour au lendemain, on lui dit eh ben non, t'es plus numéro un. Il y a cette meuf qui a débarqué. On ne sait pas où. Mais c'est qui? On ne sait pas. On ne sait pas comment elle s'appelle. Mais elle est mieux que toi. Voilà. Elle est mieux que toi. Donc dégage. C'est elle qui chante. En plus, elle parle dans un nuage de fumée incroyable. Voilà. Dégage. Donc, enfin, c'est injuste, quoi. Elle s'est soignée ses entrées. C'est sorti, on est un quoi. Peu sur un délire psychologique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un manga qui s'adresse aux femmes adultes d'aujourd'hui qui ont regardé le dessin animé quand elles étaient petites et qui aujourd'hui vont découvrir que finalement l'envers du décor. Voilà, l'envers femme du décor. Femme ou homme adulte. Bien sûr. Ou femme ou homme, effectivement. Bon, même si au Japon il est publié, ils aiment bien sectoriser les Japonais, mais bref. Ouais. Tout ça pour dire que du coup c'est une critique un peu de la société à propos de la vision qu'on a des femmes, tu vois. Faut toujours être souriante, faut toujours être machin. Et puis dès que t'es un petit peu vieille, hop, suivante. Et surtout voilà. Que les Japonais connaissent beaucoup ce milieu des idoles et de tout le travail qu'il y a derrière. Fait. Et du coup, ça, enfin, il y a, ça y a pas mal, beaucoup en fait. D'injustices là-dessus où finalement, t'es sois belle et tais-toi. Oui. Et donc la méchante, tu vas découvrir que non, je serai pas belle et je vais pas me taire surtout. Je vais pas fermer ma gueule et je vais me battre parce que je me suis battu pour obtenir ce que j'ai et je vais tout faire pour le garder. Et tu te rends compte qu'au final, Crimi, elle est mignonne, mais c'est une petite fouteuse de merde. Mais c'est en fait, pas tu une commences à détester Crimi. Voilà, exactement. Écoute, moi je trouve que c'est une bonne transition sur le prochain sujet qu'on va aborder sur les crises existentielles. Ah, bravo, bravo. Moi je trouve là la transition est nickel hein, parce que sur les crises existentielles, le côté psychologique du manga qu'on va avoir juste après avec Majin Flav et l'ermite moderne. Donc on arrive déjà à la fin de ce moment nostalgie. Ouais. Non, mais ne pleure pas. On va te retrouver sur ta chaîne YouTube. Mais oui, tout à fait, c'est bientôt Noël. Je suis sûr que vous avez été des enfants. Retrouvez Archeo Toys sur la chaîne Archeo Toys et sur French Toy Game. Et puis, dans la légende, Transformers. Dans la légende, Transformers, vendredi. C'est vendredi. Non, c'est vendredi qu'on tourne, il n'y a pas en direct. Ah oui. Ah d'accord. Non, tu ne fais pas encore sur Twitch, non. Non, il fait des émissions bien carrées. On peut faire sur Twitch aussi. Let's go, une émission dans la légende Bioman. On va réinviter. Ah, ça va venir aussi, ça va venir aussi. C'est le problème, c'est qu'il a trop d'idées. Ça va venir aussi, Bioman. Du coup, on va passer au prochain sujet. Merci beaucoup, Sébastien, ça va vous faire plaisir. J'ai appris plein de choses en vrai. J'aurais dû demander à ma mère de regarder cette émission. C'était la petite vanne, allez. En mode. Du coup, ta mère, on l'appelle Madame Soso ? Parce que toi, c'est Mademoiselle Soso, mais ta mère, c'est Madame Soso. Non, ma mère, c'est Nat. Madame Nat. Okay. Madame Nat. Madame. Voilà. Merci, Greg. Là, on te quitte. Ah, je fais ma place. Ouais, voilà, il va aller manger. Et puis, c'est les 10 ans de mon fils ce soir, donc il faut quand même. Oh, bon anniversaire ! Message trop tard. Ouais, non, mais c'est. Voilà, j'ai pas voulu non plus le privilégier par rapport aux autres enfants. Ouais, mais bon anniversaire à lui. C'est pas grave. Non, mais je vais le régaler ce soir, t'inquiète pas. Je pense bien, en plus, il a des belles cartes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce soir, c'était trop cool. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé le chat. N'oubliez pas qu'il y a le Kuro Game encore. Du coup, vous pouvez continuer pour le sujet d'après. On se retrouve du coup dans quelques minutes avec Majin Flav et l'ermite moderne pour les crises existentielles. Restez là, ça va être un moment un peu psychologique, un peu badant. Je sais que vous aimez ça. Tu es vendeur, Restez là si vous avez envie vraiment d'être au plus profond. Oui, là maintenant, on va parler sérieux. Là. Si vous voulez, les ténèbres insondables de la déprime de l'ermite moderne. C'est que là, ça va partir super loin. On se retrouve tout de suite. Bye bye.